Rosa. Moi, c'est Leïla. Donc, on est actuellement à Château Rouge pour la session photo. Le sujet, c'est vu d'en haut. Il n'y en a pas trop d'inspi, donc là, on va bouger vers la Seine pour prendre des prises de vue depuis des ponts pour voir si ça nous inspire plus. J'ai un Nikon D3400 avec un 50 mm 1.8. Moi, ce que je voudrais faire, c'est me mettre à la place des personnes sans abri et de montrer un peu leur point de vue. Donc, vu un peu de prise un peu de haut par la société. Et du coup, ce que je fais là, c'est des photos où en bouger, en fait, où les personnes que je prends en photo sont floues parce qu'elles passent très vite et ne calculent pas les personnes dans la rue. Bonjour monsieur, je suis là en haut. Est-ce que ça vous dérange que je vous prenne en photo? Super. Je me suis décidée à faire des portraits où du coup je prends les gens de haut et j'aimerais bien capter un peu des expressions de visage parce que le premier monsieur que j'ai pris en photo, il est passé par plein d'expressions, au début un peu étonné jusqu'à avoir un regard un peu agressif, et je trouve que c'est ça qui est intéressant de voir comment ils réagissent à un inconnu qui prend un gros zoom sur un portrait d'eux comme ça dans la rue, et c'est ça qui m'intéresse. Voilà mon projet, c'est une série de 20 portraits que j'ai pris hier avec un angle de vue toujours pareil. Il faut que tu questionnes qu'est-ce que ça veut dire le vue d'en haut. Tu rentres dans le dur, qu'est-ce que ça veut dire de dominer quelqu'un visuellement et à un moment comment tu fais photographiquement pour rendre ça. Mon oral s'est plutôt bien passé, je suis contente d'avoir eu des critiques, c'est toujours bien pour progresser. C'est vrai que je suis un peu partie loin, limite hors sujet, il faut que je fasse attention à ça. Mais sinon il a bien aimé mes photos donc ça m'a fait plaisir aussi.